Et si je te disais que tu pouvais générer automatiquement en cliquant sur un bouton une vidéo YouTube toute faite, avec une voix off, avec un bon script, avec même des sous-titres et tout ça automatiquement. Sans pour autant que tu aies à faire manuellement de générer ton script, générer une voix off et faire du montage manuellement. Tout se fera automatiquement. Ça serait super, n'est-ce pas? Eh bien, le logiciel que je m'apprête à te présenter, il fait exactement ça. En un clic, automatiquement, il te génère une vidéo YouTube complète, avec un script, avec une voix off, avec des sous-titres, tout ce que tu souhaites, une musique et à la fin tu as un fichier complet que tu télécharges et que tu postes sur ta chaîne YouTube. Reste jusqu'à la fin pour savoir tous les détails et pour pouvoir te lancer avec ce nouvel outil d'intelligence artificielle. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ibrahim Camara. Ici on parle de business, comment faire de l'argent sur internet, comment utiliser les outils qui sont à notre disposition pour se faire des thunes, des grosses thunasses sur internet. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau logiciel que je viens de découvrir. C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui te permet de générer automatiquement des vidéos YouTube. Auparavant j'ai fait plusieurs tutoriels sur plusieurs logiciels qui, lorsqu'ils sont combinés, te permettent de générer une vidéo YouTube avec l'IA. Mais aujourd'hui, je te présente un seul logiciel qui fait tout ça en même temps, en juste un seul clic. C'est vraiment extraordinaire. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je pense qu'il n'y a pas grand monde même qui le connaît déjà en francophonie, même chez les anglophones. Il n'y a pas grand monde qui le connaît. Il est encore en version bêta et la version bêta, crois-moi, elle est déjà super. Pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube, faire des vidéos, faire de l'argent sans pour autant se montrer, c'est un outil qui va être primordial pour vous dans les mois à venir lorsqu'il sera vraiment solide. Pour l'instant c'est une version bêta, car à lui tout seul il va vous permettre de générer des vidéos sans vous montrer avec votre ordinateur en quelques clics. Tout sera généré automatiquement. Je pense que là je parle beaucoup trop, je vais me retourner sur mon ordinateur. Le logiciel en question, vous allez taper sur Google, vous allez taper ai.invideo.io, vous allez taper ça dans votre navigateur et vous allez tomber sur cette page là du logiciel. La marque en question qui a développé le logiciel, c'est InVideo. Donc InVideo, j'en ai déjà parlé auparavant, c'est un logiciel aussi AI. C'est une marque qui développe des logiciels d'intelligence artificielle. Ils ont un logiciel en particulier que je vous ai présenté auparavant qui permettait lui de transformer un script en vidéo. Donc ce qu'on faisait auparavant, on allait sur ChatGPT, on générait le script et ensuite InVideo transformait le script en vidéo, ainsi de suite, et on rajoutait après les autres effets. Mais là, InVideo a développé un nouveau logiciel qui te permet de faire tout ça automatiquement. On n'aura même plus besoin d'aller sur ChatGPT séparément pour générer le script. Tout va se faire sur InVideo, même pour la voix off. On n'aura même plus besoin d'aller séparément sur un autre logiciel pour générer une voix off. Tout va se faire automatiquement sur une vidéo, les sous-titres, etc. Tout se passe sur une vidéo. Donc on vient sur une vidéo sur ai.invideo.io. Ensuite, on aura notre interface ici. Ils vont sûrement vous poser plein de questions. Répondez aux questions. Connectez-vous avec votre adresse email Google. Pas obligé de créer un compte. Connecte juste avec ton adresse Google. Et quand c'est fait, tu auras accès à cette interface-là. Et ce qu'on va faire ici, déjà, on ne va rien modifier. Donc ce qu'on va faire ici, on verra qu'il y aura le modèle de l'IA que tu peux choisir. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant, c'est le Premium AI. Ensuite, le Select Workflow, c'est de sélectionner le type de vidéo que tu veux créer. Soit si c'est un YouTube Shorts, soit si c'est un YouTube Explainer. Donc YouTube Explainer, c'est juste une vidéo YouTube, voilà. Ou alors c'est un projet récent. Donc ce qu'on va faire, on va choisir YouTube Explainer. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'ils vont nous demander combien de temps on veut que notre vidéo elle dure. 5 secondes, 30 secondes, 1 minute. Moi, je vais mettre 5 minutes. J'aimerais avoir une vidéo de 5 minutes. Ensuite, l'étape suivante, c'est de remplir cette case là et de dire exactement qu'est-ce que tu veux dans ta vidéo. Pour l'instant, cette version bêta de InVideo AI est seulement dispo en anglais. Donc si tu écris des prompts ici en français, ils vont traduire ça automatiquement en anglais. Donc on va aller en anglais, on va lui dire a video about how to make money with dropshipping in 2023. Donc là, je lui ai demandé de me faire une vidéo sur comment faire de l'argent avec le dropshipping en 2023. Une fois que c'est fait, ici on va choisir par exemple les types de musique qu'on veut en arrière-plan pour notre vidéo. Donc ici je vais dire trap beat, de la musique rap en arrière-plan ici. Ensuite on va choisir le genre pour notre voix off. Donc pour la voix off, moi je veux un homme, donc je vais mettre male. Ensuite je vais choisir les types de voix qu'ils ont. Ils ont plusieurs types de voix. Je vais prendre la voix d'un américain là, voilà cette voix là. Ensuite ils vont nous demander la source qu'on veut utiliser pour nos vidéos de stock. Donc ils vont utiliser plusieurs plateformes pour les vidéos de stock. Il y a iStock, il y a aussi Storyblock si je me trompe pas. Donc ici on va leur dire yes, use iStock normally. On va pas changer ça, on va laisser ça comme ça. Ensuite quand ça c'est fait, on fait continuer. Et quand ça c'est fait, on fait generate a video. Et là, encore une fois, vous verrez que c'est une version bêta de ce logiciel. Ça va prendre quelques minutes quand même pour nous générer ça. Je pense un bout de temps. Donc, une minute, voire plus. Donc, pendant ce temps, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo et on laisse terminer. Moi, je vais aller faire une petite sieste. Allez.
Donc là, maintenant, il y a une nouvelle question qui m'a posée. C'est l'audience cible pour ma vidéo. Ce sont des entrepreneurs, ok? Le style de vidéo que je veux, une vidéo professionnelle, une vidéo inspirante. Je vais dire une vidéo professionnelle et la plateforme, c'est YouTube. Ensuite, je fais continuer, voilà. Et là, maintenant, ça va prendre encore plus de temps. So, j'y retourne dans ma petite sieste. Ok, super. Là, notre vidéo a fini d'être préparée par InVideo. On va la regarder. Picture this, a business model where in 2023, offering entrepreneurs a unique opportunity to break into the market without the need. Franchement, c'est carré, je te jure, c'est très très carré. La voix, elle est très dynamique. Même moi, je me vois regarder une vidéo comme ça parce que la voix, elle est très bien dynamique. Ils ont mis une très bonne musique, sauf qu'ils ont oublié les sous-titres. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Edit ici et je vais lui dire Add Subtitles en anglais encore une fois. Et là, automatiquement, il va me rajouter les sous-titres. Voilà. C'est un peu comme un assistant monteur vidéo. Tu lui dis rajoute-moi les sous-titres et il le fait. Donc là, quand je vais jouer la vidéo, tu vois, là, il a rajouté les sous-titres. Voilà. Là, il a rajouté les sous-titres. Ensuite, tu verras qu'il y a pas mal de modifications que tu pourras rajouter. Si le rendu ne te plaît pas, tu pourras venir ici, par exemple, dans Edit Media et tu pourras modifier manuellement tous les différents plans qu'il a choisi pour la vidéo, toutes les mini-vidéos qu'il a choisi automatiquement. Tu pourras les modifier. Tu pourras aussi voir qu'il y a plein de filigranes partout, iStock, Storyblocks et tout. C'est normal, c'est parce qu'on est en version bêta, version gratuite. Donc, toutes les images de stock, elles ont des watermarks et des filigranes. Tout ça, tu pourras modifier manuellement si tu le souhaites. Ton texte, tu peux apporter des modifications à ça, etc. Ensuite, si je fais Edit le script, là maintenant je peux apporter des modifications au script qu'il a déjà généré automatiquement. Et je trouve que c'est déjà un script assez quali, c'est vraiment un script quali. Mais tu peux tout de même apporter des modifications, changer des histoires, etc. Changer des mots, changer des phrases dans ton script. Et ensuite, lorsqu'on a terminé, lorsque notre vidéo nous plaît, honnêtement, je trouve ça très professionnel. Donc là, maintenant qu'on a terminé, on peut bien l'exporter la vidéo en cliquant sur Export vidéo, choisir la qualité 1080p, no watermark. Si je veux enlever les filigranes, je vais devoir payer l'abonnement payant. Comme on est en version gratuite, en version bêta, je vais prendre la version avec les filigranes. C'est juste pour un test. Et là, je vais continuer et ça va juste télécharger ma vidéo. Et là, ma vidéo va s'enregistrer dans mon ordinateur. Donc ça sera tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte pour vous présenter ce nouvel outil. J'espère qu'il va vous aider. Il est encore en version bêta, mais pour les francophones, ça viendra bientôt. Et pour tous ceux qui font des vidéos en anglais, ça sera un outil qui va sûrement booster votre productivité. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mets-moi un gros pouce bleu à cette vidéo-là. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.